Ok, je vais t'apprendre quelque chose. Le travail en équipe. Les enfants, j'appelle les pompiers. Allô les pompiers, nous avons un feu ici. Il y a un feu dans la forêt, venez nous aider. Ok, on arrive. Allons-y tous les pompiers pour combattre tous les feux. Le camion, la tenue, le casque et allons-y. Du, 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 du camion de pompiers, du, restez bien derrière moi, les enfants. Ne vous inquiétez pas, les pompiers arrivent. Ils utilisent leur lance, portent une tenue de protection. Oh oui, regardez bien, ils vont éteindre le feu. Dou, 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 ils vont éteindre le feu. Contrôlez le feu, les amis. Vous êtes en sécurité maintenant. Oui! Merci! Montez sur une échelle pour contrôler un feu.
bien, les amis. Souvenez-vous, il faut toujours rester en arrière des feux de camp et éloigner tous les objets qui peuvent être dans le chemin des flammes. Maintenant, vous pouvez profiter du camp en toute sécurité. Nous sommes oui en sécurité. Oh, attendez, nous avons quelque chose pour vous remercier de votre travail. Vous avez gagné un badge parce que vous êtes des héros. Le feu est maintenant éteint et tout le monde va bien. Dou, 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 tout le monde va bien. Dou, 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 tout le monde va bien. Code rouge, incendie au centre-ville. Nous devons y aller, nous avons d'autres feux à combattre. Soyez prudents. À bientôt, les amis. Astronautes Léa et bébé Louis, est-ce que vous êtes prêts? Oui, capitaine. Regardez là-bas, un centre aérospatial. Génial. Waouh. Je veux devenir un astronaute. Allez. Les meilleurs astronautes. Vous êtes prêts pour la prochaine mission? Allez explorer la fusée. Oui. Yeah. Explorons toute la fusée. Nous sommes des vrais explorateurs. Nous sommes une belle et grande équipe. Tant de choses à faire et à voir. Ne courez pas. Ces astronautes sont très rapides. Oh. Devenons tous des astronautes pour conduire des fusées. Prochaine mission, les astronautes. Êtes-vous prêts à décoller? Oui, on est prêts. Par là, les enfants. Waouh, wow, une vraie fusée. Miam. Miam, des bonbons. Oh.
Tu as un mal de dents et ça fait mal. Je vais appeler le dentiste, ne t'en fais pas. Pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Le dentiste est sympa, il va te soigner. Est-ce que tu es prêt, chérie? D'accord. On y est, Léo. Bonjour. Comment ça va, Léo? Il faudra que tu attendes quelques minutes. Tu vas voir le dentiste maintenant. Léo, ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Le dentiste va soigner ton bobo. Viens avec moi, je vais t'accompagner. Pour rencontrer le dentiste, tout va bien se passer. Il va guérir le bobo dans ta bouche. Bientôt tu seras mieux et plus joyeux. Oh, j'ai mal! Bonjour, je suis le dentiste, viens avec moi. N'aie pas peur, tout ira bien, tu verras. Tu vas trouver ça très cool dans ma super chaise. Tous les enfants l'aiment, je t'assure. Maintenant tu peux t'asseoir et j'attrape ma lampe. Maintenant ouvre ta bouche très très grand. Tout va très très bien, tes dents sont vraiment très propres. Nous formons vraiment une super équipe. Est-ce que tu es prêt, mon grand? Monte sur la chaise comme un grand garçon. Plus aucune dent ne te fera mal. Ouvre grand la bouche que je puisse voir tes dents. Je vais réparer ça en deux temps, trois mouvements. J'avais un mal de dents et il est parti. Je me sens vraiment mieux grâce au dentiste. Il est très gentil, c'est mon ami. Regarde mes dents, je n'ai plus de bobo. Wow, je vois que vous avez tous un sourire très brillant. Pour un joli sourire, on sait où aller. On va voir le dentiste, il va nous soigner. C'est important de se laver les dents pour avoir un beau sourire sur la photo. Pour un joli sourire, on sait où aller. On va voir le dentiste, il va nous soigner. C'est important de se laver les dents pour avoir un beau sourire sur la photo. Fatiguée. Maman, ne t'en fais pas. Nous allons nous occuper de bébé Louis. Va te reposer. Bienvenue, bienvenue au spectacle. Léo et Léa sont prêts pour toi. Nous sommes un crocodile et un renard. C'est l'histoire où le crocodile mange le renard. Oh non! Viens, on va trouver autre chose. Hein? Bébé Louis, regarde ses jouets. On a de quoi bien s'amuser. Tu peux prendre cet alpaga pour jouer. Et voilà, on s'amuse bien. Oh, ça sent pas bon. Je pense qu'on devrait le changer. Maintenant il faut te nettoyer. Que tu sois prêt et que tu sens bon. Tu n'auras jamais été aussi propre. Maintenant tu es tout propre. Non. Oh. Je pense que nous devons essayer quelque chose de nouveau. Et petit rêve, garde nos grimaces. Si tu t'ennuies, lève-toi et joue avec nous. Attention, je me prépare à te chatouiller. Et on s'amuse beaucoup. Il doit avoir
faim. Et il me dit, frère, je sais que tu as faim. Tu as vraiment faim, donc tu ne vas pas bien. Mange tous ces fruits, ils sont très bons pour toi. Mets-les au bout de tes doigts, c'est trop rigolo. Oh, je pense qu'il a froid. Et bébé Louis regarde tes habits chauds. Avec ça tu n'auras plus froid, je te le jure. Ton écharpe, ton bonnet et puis tes moufles. Une petite couverture et tu auras très chaud. Oh non, ça ne marche pas non plus. Je pense qu'il a trop chaud maintenant. Oh petit frère, si tu as trop chaud, nous allons t'enlever tout ce qui est en trop. Tu vas vraiment mieux maintenant que tu n'as plus chaud. En t-shirt et en shirt, tu as l'air aussi cool. Belle idée, bébé Louis. Nous allons te lire une histoire. Bébé Louis, je vais te lire une histoire. Tu as l'air fatigué et tu vas t'endormir. Tu es bien installé, nous allons te laisser. Restons silencieux, ne faisons pas de bruit. Coucou les enfants. Oh, c'était super. Je vais vraiment mieux. Qui veut aller au parc? Karaté, yeah. Maintenant les enfants, suivez.
tu le fais aussi bien que moi. Bien joué, mon champion.